question là, vous êtes capable de régler dans WhatsApp. Et Banzele qui est présent là, le Banzele qui est présent, il est là, Banzele là, un ricozu. Maintenant, ça link là, voilà, ça un link ça. Mon abonné dans WhatsApp, ça link là, ce qui est important là-dedans, est là, bien, mes enfants, il y a deux colonnes, deux parties dans ce link là. Un là, côté chip de ma commande, ça te commande ça. Et ici, dans Shell, vous voyez, dans Shell, tu peux trouver son résultat, son réponse. Veuillez programmer, écrire code, user pour trouver sa réponse. Ok? Voilà, ça m'a déjà expliqué. Et ça, c'est une façon programme de Python. C'est une façon programme de Python, il est beaucoup plus facile. Sinon, si je ne pas programme le Python comme ça, je visais à download un software, un ID, on appelle ça. Ok? Ça, ID appelle PyCharm. Ok? PyCharm, c'est un ID que tu as avec PyCharm pour Windows. Et te download li, te setup li, te configure li, pour être capable d'écrire un programme dans Python. Voilà, PyCharm for Windows, il y a un courant dans ce site là, et il peut download PyCharm. Voilà, et voilà, il est comme ça là. PyCharm download for developers. Mais tous les temps là, vous download PyCharm ou download community version. Ok, qui veut dire community version, je vous explique ça, il y a une version gratuite. Voilà. Faites-moi pour expliquer là. Voilà, get comme ça. Il écrit PyCharm Community Version. Ou pas download PyCharm, c'est pas 2021. Ça, c'est professionnel. Ça n'a besoin de payer tout ça là. Mais Community Version, il pose mon mouse là. Il écrit Community Version, il est gratuit. Et que tu vas download ça dans un site là. Ok, JetBrain, je pensais download PyCharm. Mais malheureusement, mon internet est un peu lent. Bon, pas grave. Ou download li, download PyCharm, ou pour gagner un setup. Et dès là, vous downloadez, qui vous download, vous download un setup. Correct? Et là, vous installez le setup là. Si vous avez une difficulté pour installer li, vous pouvez contacter moi, vous pouvez aider. Bon, là, il n'est pas capable de download parce qu'il est lourd. Maintenant, PyCharm, soit vous servez PyCharm avec moi là, c'est là, si vous avez déjà fini d'installer li, et soit vous servez Online Translator. Ça, Python, langage qui nous peut servir appelle Python. PyCharm c'est quoi? Il y a un ID, il y a un software que lui servi Python, mais écrire un code Python là-dedans. Correct? Bon, je deviens programmeur, je peux écrire un software. Mais c'est plus facile si je paye là PyCharm. PyCharm, vous comment il est? Il a même réexpliqué dans le livre. Dans mon computer, je finis install PyCharm, qui version? Community version. Et là, je clique là, il rentre dans la PyCharm Community Version. On finit download et là, il peut rentrer dans PyCharm. Ça me désire dans PyCharm. Ok? Et je peux écrire un programme. Je peux close un programme. Je suis capable d'écrire un programme dans PyCharm. Correct? Ça, c'est un code. Ok? Je vais montrer comment écrire un programme dans PyCharm. Et PyCharm, il servit Python. Et get là, ici, get mon mouse côté. Il peut servir interpréter Python. Vous ça besoin d'écrire Python. Qui Python? Il peut servir 3.7. Ok? Interpréter. Vous dire que vous écrire un code là, il peut run. Bon, si vous n'êtes pas capable de download PyCharm dans ce computer, il paye dans PyCharm. Qu'est-ce qu'il peut faire? À ce là, il est capable de run le online translator. Voilà, je vous montrer comment il fait online translator. Je vais vous un. Voilà, je vous trouver dans notre site GradNef. Je vais vous un link. Vous bien, hein? Je rentre dans ce link là et je peux écrire un code. Voilà, mon avis de ça, qui est un petit peu de gagner, si vous avez gagné, vous pourrez avoir de là, et là, ça link là. Et vous cliquez dans ce link là, vous pourrez rentrer en ligne là. Et vous pouvez écrire un code et vous pouvez translate. Correct? Maintenant, première commande, nous allons prendre dans votre livre. Ok, votre livre déjà là. Correct? Dans votre livre, il explique comment faire programming dans Python, écrire un programme. Ok, nous allons un code comment faire ça. Nous déjà finir une partie là-dedans. Mais nous pourrons faire lire et nous parlons bien vite. Voilà, dans ce livre, là, il explique Python. Voilà, Introduction to Python. Qui veut dire Python? Il y a une programming language. Ok, nous écrivons un code. Quand tu download Python, ou capable de rentrer dans ce site-là, ou bien il y a encore le bon site. Ou rentrer ou download. Ça, c'est le site Python. Ou capable de download Python. Ou finir de downloader ou installer. Voilà, ou quand installé et ou quand run. Mais sa version là, ici, li console version, la shell version. Sa version là, li un peu plus basic. Ok, pas beaucoup de complications là-dedans. Mais par contre, sa version celle-là, li un ID. Li servit Python même, mais c'est moi, li un software qui il a tous les outils là-dedans. Il a beaucoup d'outils pour travailler là-dedans.
les élèves là soit ils écrivent dans PyCharm qui servit Python, soit ils viennent online et écrivent sur Bandcamp. Correct? Maintenant, nous rentrons dans notre livre, nous montrons ce. Voilà, ça peut servir NVSO Python, mais c'est moi, les prompt version, les command prompt, les servir une shell, qui est servir Python qui version 3.7.3, les shell version. Il n'y a pas ID, shell version. Et là, quand ça prompt là, les types de commandes. Bon, première commande qui te va en prendre, qui va la typer, il m'a dit comment installer. Première commande, c'est print. Correct? Bon, moi, je vais faire une démonstration, si tu lis dans ça là, comme ça. Correct? Moi, je vous delete ça. Ok? Voilà, je vais dans un programme main. Si tu as envie de créer un programme là, tu vas right-click. Tu vas te faire new. Et te faire new Python file. Voilà, je vais faire lui. Tu right-click là, tu fais new. Tu fais new Python file. Et te donner un nom. Mettons, je vais faire un Python file. Ok, je vais un petit problème, je ne vais pas réussir dans la classe, mais je vais faire une vidéo. Maintenant, disons mon premier programme appelle question 1. Ok, question 1. Correct, ça, mon file, ça, je vais créer un file. Qui a des files, je vais créer Python. Voilà. Et ça, file Python, ça, file main. Et je remarque que Python, ce file finit par .py. .py. Et ça, file là. Ça file là appelle main.py. Py là qui veut dire Python file. Ça question number one, Python file. Allez, première commande qui se en prendre. Allez, je dis moi print. Qui veut dire print? Il veut dire il peut display on screen pour user la trouver. Il peut display on screen. Correct? Allez, première affaire, je vais servir le online. Je vais le online. Hein? Correct. Correct là, je vais faire démonstration le online. Il veut dire ça. Il y a une place que vous pouvez écrire un code en Python et vous pouvez gagner son résultat par le côté droit. Côté gauche dans main, vous pouvez écrire vos commandes, ça mon Python file, ça, py, et le shell, vous pouvez gagner mon résultat. Bon, première commande qui te donne à prendre de Python, tu es un programmé toi. Première commande qui te donne à prendre pour faire, voilà, première commande, appel, voilà, appel, ok, Péron, pas Péron. Hein, qui est arrivé, il arrive, sûr? Allez là. Première commande qui m'a écrit c'est print. P-R-I-N-T. Et m'a ouvert bracket. Et dans bracket là, en dedans, m'a écrit computer. C-O-M-P-U-T-E-R. Ok. Et les mots run qui est arrivé. Donc vous trouvez résultat apparaît là. C'est-à-dire ici, m'a écrit code. Programmé écrit code. Ici, résultat apparaît. Et résultat qui est arrivé, m'a écrit print. Print veut dire display on screen. Qui dit pour display on screen? Computer. Ok. Allez, je vais t'en demander là. Tu en fais un bêtement? Je vais t'en dire, répondre aux moyens enfants. Oui, je vais t'en dire. Allez, right. Ça qui m'a servi. M'a servi programming Python online compiler. Je veux dire, l'internet, il peut compiler, il peut compiler, il peut translater pour moi. Maintenant, c'est les qui finit dans l'autre PyCharm. PyCharm, il y a un programme, PyCharm, il y a un programme professionnel. Là-dedans aussi, je peux tester, je vais montrer comment je peux faire la question là. Je vais créer mon commande print. Voilà. Et je vais ouvrir un bracket, je ferme un bracket. Et dans le bracket là, en dedans, je vais ouvrir une vingtaine de commandes, je vais écrire computer. Voilà, je vais tester dans sa software. Là. Et comment je run li? Soit je clique sur VL là, là, je run dans mes programmes, soit je right click, je fais run. Et là, je run, je vais son résultat pareil. Vous voyez, il écrit computer. Ça, son résultat. Ça. Correct? Son résultat. Et il finish executing. C'est-à-dire, je peux écrire code ici, et je trouve son résultat ici. Et là, c'est là qu'il n'y a pas de service à software là aussi. Maintenant, nous revenons dans The Notes. On écrit Print Computer, il paraît là. Maintenant, si moi j'ai dit Print 1, qu'est-ce que vous faites? Vous venez là, la place de Computer, moi j'ai dit Print 1. On écrit 1 comme ça. Voilà. Donc, il y a un code. Et mon run li. Voilà, mon run li. Comment mon run li? Vous pouvez cliquer là comme ça, run, soit le HV là, là. Ok? Et il écrit 1 là, le résultat là, 1 là. Correct? Et si moi j'ai envie de translater online, de place écrit computer là, moi j'ai écrit le numéro N. Veut dire, il peut écrire N là. Là. Et là, moi run, il peut plus écrire computer ici. Qui peut écrire N? Voilà, vous trouvez? Allez, maintenant, nous get un code. Ça m'a déjà expliqué la semaine dernière, pour vous faire un petit supplé intéressant entièrement là. Vous pouvez commencer base, vous pensez l'équipe ne comprend avant, vous pouvez comprendre là. Allez, 6 plus 9. Ok? 6 plus 9. Qui résultat le pouvoir? 15. Maintenant, je vais tester. Je vais tester le programme 6 plus 9 fait 15. Je vais écrire 6 plus 9. Voilà. Et il run la shell là, tu peux sur output là. Il écrit 15. D'accord? Et ou bien moi dans Python, dans PyCharm,
La partition, moi, 6 plus 9, moi, Ronny, soit mon pays, ça fait là, ici, que moi, je vais trouver, vert. Et pour gagner, réponse 15. Correct? Correct? Allez, right. Vous pensez tous en fait, soit de right click, de faire run, il va même faire les paris 15. Allez, tous en fait, correct, là, depuis là, vous allez continuer. Vous avez besoin de répondre. Oui, je vais comprendre. Allez, si vous pouvez comprendre, vous pouvez faire un travail. Ça, maintenant, pourquoi on va vous réexpliquer tous en fait, connaît. Il fait un calcul, il vous donne ta réponse. Ça va un calcul, réponse, ça va déjà fini faire. Tout ça là, facile. Correct? Ça, on va pas nécessaire faire. Vous pensez tous les élèves qu'à faire. Ok? Maintenant, si vous n'avez pas vraiment un devoir, faites-moi dire ça va un print là, ça va un devoir, ça va pas vraiment. Comment ça va vraiment? Écoute-moi bien. Correct? Tu as ouvert Word comme ça, vous expliquez comment ça va vraiment là. En fait, je peux trouver là. Dites comment ça va vraiment dans Word. Correct? Tu écris à ton nom. Ça, les élèves, pour faire ça, vous pouvez expliquer comment je t'envoie vraiment ce devoir, parce que vous besoin de checker si tous les élèves ont vraiment des devoirs. Correct? Ils n'ont pas vraiment des devoirs, vous pouvez expliquer comment je t'envoie vraiment des devoirs. Je viens de Word, si je ne peux pas comprendre ce dire, vous pouvez expliquer. Les enfants-là écrivent ce nom, ce project, ils écrivent ce nom. Ils ont ce nom appelé Radar Anil. Ok? Ça me renonce. Correct? Anil. N'oubliez pas comment écrire. Radar Anil. Qui grade mon été, modèle grade 9. Correct? Modèle grade 9. Et je vous dis qui. Qui joue aujourd'hui, on met une date aujourd'hui. Allez, aujourd'hui les 24. Les 24 novembre. Ok, 2021. Et qui devoir vous pouvez envoyer le Python. P-Y-T-H-O-N. Ok, on appelle ça Practical P-R-A-C-T-I-C-A-L. Practical Python. Allez, maintenant, mettez ça, voilà qui est capable de faire pour moi. Je vous montre comment ça devoir là. Mettez là. Il fait, il y a des affaires là. Tu adores ça, tu fais take snapshot, take shot. Allez, il prend ça des voix là comme ça, il fait copy. Ctrl C veut dire copy, il envoie ça là, il paste là. Ça, c'est sur question. Maintenant, sur réponse, qu'il peut faire, il est capable de venir là, il run ça. Correct, il fait ça, il run ça. Donc, comment il run ça, il fait ça comme ça. Et il est capable d'envoyer moi sur réponse. Il fait print screen. Dans ce keyboard, il y a un taquet avec PRTSCR. Print screen. Après qu'il fait, il y a dans ça, il print sur screen. Voilà. Et là, on finit de trouver, il peut print ça et ça sur réponse. Ça, c'est une façon d'envoyer moi sur devoir. Une autre façon, il est capable d'envoyer moi des voix là. Il vient dans online interpréter. Voilà. Là aussi, il print screen. Voilà, print screen. Tu vois, dans le keyboard, il y a un taquet avec PRTSCR. Il est là où il le premier jour, il a au backspace. C'est là au backspace, il a delete, il a insert, print screen. Et là, c'est un nick bizarre. PIOT avec SC là. Comment tu payes lui? Il fait un screenshot. Il ramasse un screenshot là. Et là, ici, vous venez, vous payez lui. Comment vous payez? Vous right click. Voilà, vous faites paste. Et là, les gars, il est là. Vous trouvez? Moi, je finis faire ça. Et de là, moi, je trouve, c'est les gars, il écrit sa commande là, il écrit sa réponse là. Soit les services à online interpréter là, soit les services PyCharm. Il y a plusieurs software encore qui ont servi. Il y a servi VS Code. Il y a les services VS Code. Mais là, je trouve les enfants là, ils travaillent. Et ça, c'est question, ça, c'est réponse. Je trouve qu'ils font ça, ils gagnent sa réponse là. Je trouve qu'ils font ça, ils gagnent sa réponse là. Est-ce qu'ils peuvent comprendre moi? Ok, ils peuvent comprendre moi? Allez, l'autre question. Oui. Faites-moi dire sa question là. Et là. Mobile là, et là. Je vais snapshot, take snapshot, vous trouvez snapshot, vous prenez sa question là, ok, vous right click, vous copy, vous trouvez mon copy, après vous venez dans paint, dans word, vous payez ce là, pour sa question là, sa so, réponse, allez, 10 tiers, 10 tiers 8, comment vous élevez là, allez, il est capable de servir ça, ça online interpréter là, vous finissez à vous dire ce link, il fait 10 tiers 8, et qui il fait là, il run li, et il run li, il a une réponse D. Et dans notre keyboard, il y a un taquet appelé PRTSCR. Bon, si ce n'est pas quoi ce taquet-là, je vais garder une idée. Ok, je vais googler it. Ok, je vais garder une photo dans ça. PRTSCR. Print screen. Je vais garder une photo dans les images. Je ne sais pas si il vous paraît. Voilà, regarde là. Vous devez regarder là, regarde ça, je vous le dis. PRTSCR. Regarde là. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Vous avez trouvé? Yes, Mr. Bozia. On est arrivé là-bas? Namaste, namaste. Ah, ben là-bas, je vois non. Je vois non.
c'est pas un diamant, non, hein. Allez, moi, ça là. Qu'est-ce que c'est un diamant, non, hein? Allez. Allez, moi, ça. Allez, ça, moi, vous ça pour vous. Mais merci une seule, moi, parce que c'est un diamant, non. Et moi, je vais trouver ma gamme. Allez, moi, ça. Allez, merci. Allez, bye. Allez, allez, ça. C'est moi, la modèle, ils sont en ligne, t'as les mots, ça. Allez, merci. Allez, est-ce que tu sais les vins trouver code qui a été? Qu'est-ce qu'il a où là? Tu as trouvé print screen, PRTSIA? Allez, dis-moi si je ne comprends. Monsieur, à PRTSIA là, même l'affaire. Ouais, PRTSIA, il fait screenshot. Il veut dire qu'il ramasse sa screen là. Il veut dire qu'il fait un screenshot. Monsieur, pour moi, la peine, oh là, la NEC PRTSIA. Ouais, correct, ça, même affaire. Correct, même affaire. Bon, là, il ramasse ça, il fait screenshot. Qu'est-ce que tu as sur réponse là? Qu'est-ce là? Parce que moi, je rends ça là. Vous voyez 10 tiers 8 comme fait. 10. Parce que je paye ça par qui là. Je vais faire un screenshot. Parce que je vais là qui m'a fait. Je paye ce là. Vous voyez là, je vais répondre ça. Soit un autre élève qui va le faire. Il y a ce software ici. Il fait 10 tiers 8. Voilà. 10 tiers 8. Et il rend lui. Voilà, là, il rend lui. Voilà, il va run. Vous voyez là, right click. Et comment il va répondre 10. Parce que 10, ça se commande. Ça se répond ça. Alors c'est qu'il fait. Il fait print screen. Il y a un PRT, il veut dire print, SCR, il veut dire screen. Il print screen. Alors c'est qu'il vient ici, il fait ici, qui est de la paste. Comment il fait paste? Qui est là? Il fait right click, il fait paste. Voilà. Là, je finis avec des enfants. Là, qui commande un petit peu, qui répond ce qu'il a. Est-ce qu'ils ont compris? Bon, il y a un élève qui fait, il est capable de faire une autre affaire aussi. Il y a le paint. Voilà, il est capable de découper ça tout. Il est capable de paste lui là. Il est capable de découper une partie là-dedans, il est capable de prendre ça, c'est ça, pour te laver, moi. Il est capable de faire comme ça, crop. Vous trouvez là? Crop. Et là, il est capable de sélectionner ça, il est capable de payer ça, pour te laver, moi. Ça, la peinture, il est capable de découper ses images, faire un petit tricot, il est capable de voir ça, il est capable de cut, il est capable de cut. Il est capable de cut ça. Après, il est capable de voir ça, il est capable de voir ça, comme ça. Voilà. Voilà, il paye ici. Est-ce qu'ils ont bien compris? Question pour moi? Allez, je vais répondre. Est-ce qu'ils ont bien compris comment vous faire un devoir là? Les là, je vais save sa word là. Bon, il y a des élèves qui ont save sa word là, les gars, vraiment, ils finissent. Bon, moi, comment vous gagnez ça? Vous gagnez là, vous finissez trouver ça que vous ce devoir. Vous allez ce nom, ce classe, date qui est là, vraiment, qui devoir est là, vraiment. Vous finissez gagner ce devoir là. Vous pouvez comprendre là? Qui devoir est là, vraiment. Bon, les gars, il y a encore des détails. Il y a un projet, il y a une jolie. Là, pour telle question, moi, j'ai des élèves là qui devraient faire, telle question qui devraient faire, moi, quand je suis devant là, c'est là une récit faire quelque chose. Si il n'est pas un récit, il y a une erreur aussi. Faites moi dire, c'est là, pas une conférence. Il fait une erreur. Allez, vous donner l'exemple. Et les enfants là, capables d'avoir sur erreur aussi. Et par exemple, c'est les élèves fait une erreur là, il est mal écrit print. Correct, il y a une erreur là, il est rendu. Il y a une erreur, tu trouves ça erreur là, une erreur. Hein? Et là, c'est là, il est capable d'avoir une erreur là aussi. Il fait les print screen. Et il y a vraiment un réel là aussi. Qui fait, il y a vraiment un réel là. Pour moi, les mots guettés, pour finir, connaître qui est réel, les enfants, là, il fait. Et là, mon cas, de Niban, l'idée, comment il a corrigé ça, il y a là. Tu vois, il fait un réel là. Moi, les mots pour gagner ça, qui m'ont pour guetter qui est réel, les enfants, là, il fait. Là, je trouve une mal écrit print, P-R-I-N-T, une raté. Et là, il y a un message. Je finis, connaître qui est réel, il y a. Même si les blagues sont réelles, il y a vraiment, pour me connaître qui est réel, il fait, pour qu'il y a dit, qui vous corriger. Ok, qui vous carré faire? Correct là, tu en vas me comprendre? Astéa, un zé. Ouais, dis-moi question. Monsieur F, qu'est-ce que ça peut être demandant? L'IFENA, elle comprend nous a fait pareil. Oui, mais. Tu connais, moi, vous êtes checké, moi, vous donnez beaucoup de voir. Tu étais combien de capable de faire, toi? Correct? Mais il n'y a pas de nouveau devoir, moi, vous donnez ce qui est dans l'IFENA là. Correct, tu as besoin de noter. Tu as besoin de faire un devoir mauvais de temps. Minimum, c'est que tu as besoin de faire ce qui est dans le livre. Le livre fini, les lames de temps en cours de devoir. Correct? Et si je ne peux pas pour envoyer moi, monsieur est capable d'envoyer en WhatsApp. Oui, il a des cas envoyer dans WhatsApp. Maintenant, il y a une affaire qui est intéressante. Je sais pas si il n'a pas envie d'envoyer moi ça dans Word. Il a envoyé moi dans PDF. Comment il a envoyé moi dans PDF ça? Regarde bien, il fait File, suivez bien. Il fait Save As. Correct? Bon, il save as, il est capable de save as, ils ont mon PPT dans mon desktop. Et il écrit ce nom, disons, ce nom appelle Radaril. Et il sent sa file, il n'est pas vraiment dans Word. Regardez bien, je clique en bas. Il n'est pas vraiment dans Word. Il y a vraiment PDF. J'ai trouvé PDF. Regardez, mon gagnant, PDF, il save lui comme ça. Quand je vais save lui, le desktop. Correct? Voilà. Il vient un PDF file.
Et là, il peut ouvrir, il est ouvert en PDF, vous trouvez? Et la PDF, radar, il est en PDF, il est en PDF. Il est plus facile pour envoyer moi. Il est plus léger pour envoyer moi. Ok? Est-ce que tu en fais comprendre qu'il veut dire PDF? Comment faire il est en PDF? Bon, référer. Il y a dans Word, il fait File, il fait Save As. Ok? Il dit que tu peux Save lui. Et là, il met la file là, ce nom. Et en bas, il sent ça, il met PDF. Et là, il met PDF. Il y a mon cas ouvert, il va à combattre Reader, il est plus facile pour moi. Correct? Et là, moi, ouvert, il y a PDF, mon mot, d'accord, il est plus facile. Allez, correct là, tu en fais correct? Allez, c'est pas une question, vous pouvez faire une programmation un peu plus compliquée, c'est monsieur. Oui. Monsieur, on peut faire des voilà, il y a comme il peut, c'est de PDF, il y a un. Oui, c'est les blancs capables de chipper, les gars chipper, il y a vraiment plus bon. Ok? Il y a des gens envie, les gars chipper une question là, il y a vraiment. Correct? Maintenant, parce que c'est ça des voix là qui m'ont donné là. Il y a des voix bien compliquées là. Il y a un tas de voix qui m'ont envoyé là. Ça, c'est uniquement d'expliquer comment pour vraiment des voix. Comment ça que vous allez sur des voix pour gagner. Comment vous allez faire screenshot. Cela m'a expliqué. Si vous avez envie de poser ma question, comment faire screenshot, comment présentement sur des voix, là, les gars posent ma question. Déjà, les élèves là capables un programme le online translator. Dans online translator, vous trouvez, il écrit ce code là et gagne ce résultat là. Soit il fait servir PyCharm. Voilà, il écrit ce code là et il gagne ce résultat là. Correct? Soit il a élèves servir VS Code. Ok? N'importe qui software il servir, mon père n'a aucun problème. Moi. Mais il vient écrire le langage Python. Correct là? Allez, question pour moi. Maintenant, vous rentrez dans votre bande notes. Voilà, dans votre notes, l'India. Voilà. Bon, là-dedans, nous pouvons faire un, nous pouvons tester ça là. Qui dit faire ça bout là? Nous pouvons print un texte, ajouter avec un autre texte. Vous avez trouvé là? Et un texte, il est ajouté avec un autre texte. Vous avez trouvé là? Allez, ça, computer avec studies. Maintenant, vous pouvez tester ça online. Voilà, il vous print, bien bien là. Vous pouvez écrire un texte là. Dans inverted comment veut dire un texte ça? Veut dire computer. Join li avec un autre texte. Comment le join li avec un autre texte? Ce qui dans inverted comment veut dire un texte? Join li veut dire plus. Un autre texte. Déjà un texte là, vous pouvez écrire en inverted comment. Vous pouvez écrire computer science. S-C-I-E-N-C-E. Allez, dis moi si vous rendez ça qui peut arriver. C'est la carte. Il pas pour. Bien bon. Il est réel là. Il est en train de dire. Il est réel. Il n'est pas pour run. Qui fait pas pour run? Allez. Baxen, dis moi qui est réel là. Allez, Baxen. Qui est réel là? Dans mon commande. Vite, 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 Baxen. Allez, Daudari. Qui est réel dans mon commande? Allez, Mahmoud, qui est réel dans mon commande? Mal écrit print. Bien bon, on mal écrit print. Comment écrit print? P-R-I-N-T. Voilà. Maintenant, mon Runly, il est qui écrit computer science. Vous trouvez? Mais c'est pas hard computer science, pas dans l'espace. Si moi j'ai envie de quitter l'espace, regarde là, moi quitte l'espace là. Moi quitte l'espace là. Et là, mon Runly, vous trouvez? Hard computer science est dans l'espace. Tu dois faire correct? Allez. Maintenant, un élève pour dire moi qui pourrait arriver là. Si vous écrire un line. One, ok. Qui pourrait apparaître là-bas, dis-moi. Allez, après. Line one. Ouais, bien bon, line one est pareil. Ah, c'est si vous copiez ça, regarde bien, vous copiez, vous payez ça dans la deuxième la ligne. Vous écrivez line two. Qui pourrait apparaître là-bas là? Line one avec line two. Très très bien. Et si vous recopiez ça en bas, vous écrivez line three. Qui pourrait apparaître? C'est la case, dis-moi. Line 3, allez. Bien bon. Il peut ajouter line 3. Line 1, line 2, line 3. Allez, question pour moi? Allez. Maintenant, vous pouvez demander une question avec. Bon, si Zoom terminé, nous pourrez rentrer là. Demain, une minute, vous pourrez mettre en fin de session. Parce que là, ça trop intéressant. Nous avons déjà fait en fin de session 4h. Nous avons en fin de meeting. Bon, il peut finir 4h. Ça veut dire, mon gars, si tu joues un meeting 4h, encore 45 minutes. Et si jamais découper et déconnecter, nous pourrons reconnecter là. Hein? Parce que c'est intéressant. Là. Je vais me programmer. Hein? Et très bientôt, nous pourrons enregistrer les autres pour une compétition internationale. Là. Ok? Nous pourrons enregistrer les autres pour une compétition pour faire un gaming. Tu vois, là.
Et Google pour invite pour faire part de la compétition et gagner pas combien de millions de dollars là maintenant. Mais j'ai besoin de parer pour lui là. Allez, ça, on finit c'est. Quand tu as un enfant, allez, nous allons commencer à programmer. Tu vas me programmer. Et là, laisse-moi retourner dans mon Zoom. Dans mon Zoom, quand on était meeting. Ouais, il est bon là. Ok, moi, je finis mes dents en de session de travail. Là. Déjà 4h, 4h45, après 5h, pour finir. 5h-15. Correct? Ça nous close. Maintenant, ça aussi nous close. Allez. Continuité là. Mais c'est moi, Mazelé, ça qu'elle se tout pour répondre là. Hein? Et si moi, j'ai envie de venir à PyCharm là, là aussi, moi, je vais programmer. Tous les élèves connaissent là. Et si aussi, moi, je vais programmer. Là, moi, je vais programmer online. Online. Allez, maintenant, là, elle le délai pour répondre. Jawahir. Ok, Jawahir, beaucoup, mon temps d'affaires là. On va écrire hello, hello, correct. Mais si on rentre ça, qui peut arriver à Jawahir? Print hello, qui peut arriver là? Allez, Jawahir. Jawahir, pas là. Allez, Lakshita. Qui peut arriver si on rentre ça? Et comment run? Right click, faire run, soit là. Qui peut arriver? Vous êtes ensemble à moi là ou avec une personne plus? Oui, je l'aime. Allez, dis-moi. Si moi rends ça, qui peut arriver? Chez moi. Ah, non, il n'y a pas de cela. Une volonté. Il y a beau bon, bah si, il va donner une lettre comment? Très très bien. Syntaxe erreur. Ouais, pour gagner syntaxe erreur. Allez, get moi rends là, bien bon. Ça va nous aider à suivre, ben à quoi nous programmer. On peut rendre sa programme là, il est là. Il y a une syntaxe erreur. C'est vrai, de temps erreur. Qui fait un détail erreur parce qu'il y a un texte de type Zada inverted comment. Voilà. Et là, on va corriger lui. On va mettre Zada inverted comment. Voilà, comme ça. Right? Et on pense que c'est le commencement là. Et là. Voilà. Et là, on va rendre lui. Il dit moi hello. C'est vrai, pas de erreur. Et si on copie sa code là, si on zélé pina PyCharm, il est capable de rendre sa code là dans Online Translate. C'est là. Right? Voilà. Et là, il a écrit sa code là, il est capable de rendre, il peut faire hello là. Allez, allez. Maintenant, il y a une affaire qui est bien intéressante, nous pour expliquer. Nous pour expliquer une autre commande. Print, nous finit expliquer, tous les enfants finissent comprendre ce qui veut dire print. Maintenant, je pourrais en prendre une autre commande qui s'appelle input. Voilà, variable. Qui veut dire variable? Allez, variable, enfants, variables. Qu'est-ce que ça veut dire? Variables. Qui veut dire variable? Variable veut dire changer. Un variable, il y a une place dans la mémoire. Correct? Il contient une boîte de mémoire. Et ce valeur est capable de changer. Un coup de jaune rentré, un coup d'un autre non rentré. Je veux dire, what is a variable? A variable, il contient une boîte de mémoire. Il y a une memory location qui store et value. Et sa value qui store là, il est capable de changer. Maintenant, moi, je vous demande à un élève une question là. Je veux dire, un variable, c'est une place de mémoire. Ok? Et sa place de mémoire, comment il appelle? Name. Et qui valeur peut garder dans name? John. Correct? Et est-ce qu'il nous capable de sens sa name là? Oui, il a sens. Bon, qu'est-ce que ça commande là? Je veux dire, on met equal to. Qui veut dire equal to? On met equal to. Je veux dire, name, il y a une place dans la mémoire, il y a une boîte, et nous peut garder valeur John là-bas. Est-ce qu'il comprend? Si pas oui. Comprendre, allez. Je veux dire, une boîte dans la mémoire, et nous peut garder valeur John là-bas. Maintenant, je veux dire, print name. Je veux dire, il y a print, peut être display dans l'écran. Qui est pour display dans l'écran? Qui est dans la boîte là? Boîte là, comment appeler? Name. Qui va aller dans la dedans? John. Je veux dire, pour display dans l'écran, qui peut paraître? Je veux dire, print name. Je veux dire, qui est dans la boîte là? Qui est dans la boîte là? Boîte name là, qui est dans la John. John. Qui peut paraître dans l'écran? John. Oui, bien bon. Allez, maintenant, nous allons faire ça en pratique. Correct? Allez, les enfants, regardez bien. Vous pouvez dire toi, nous essayons de faire ce pratique. Bon, je dis name. Si je dis name equal to, je dis name, il y a une boîte. Ok? Et vous pouvez garder une valeur là-dedans. Disons, vous pouvez garder une valeur, un texte. Un texte, tout le temps, nous gardons en inverted comma. Correct? Ça, c'est fini en prendre ça. Et ce texte-là, ici, je veux dire dans name, vous pouvez garder un nom. Disons, on l'appelle Rada. Correct? Rada, c'est un nom, mon nom. Allez, on garde ça dans name. Si mon run lit, pas vous paraître dans rien dans l'écran, qui fait pas vous paraître dans rien dans l'écran? C'est un cas à dire moi. Allez, Baxon, qui fait non rien pas paraître dans l'écran? Get a shell, non rien pas paraître. Qui fait? Hein? C'est un cas à dire moi. Dans boîte là, il y a valeur radar, mais vous pas dire display dans l'écran.
qui commande moi vous servir pour display dans l'écran? Moi vous servir commande print. Et la bracket, vous mettez name. Mais c'est moi, je ne vais pas mettre name là dans inverted comma. Parce qu'il n'est pas un texte ça. Name là, c'est boîte là, ce nom. Et les mots rendus qui vous parlent. Radar. Est-ce qu'ils ont compris un bout là? Allez, allez. Maintenant, pour vous faire un autre exemple, ça va me servir un autre software ici. Correct? Allez, mettons un élève et input une valeur x. X, disons, me donne sa valeur 10. Correct? Right? Est-ce que c'est mon run-li? Qui vous paraît dans l'écran? Non, rien. C'est dans l'écran, non, rien, pas de paraître. Qui fait? Hein? Parce qu'il ne peut pas dire print-li. Maintenant, c'est moi qui print. Print x sa valeur. C'est moi qui ne vais pas mettre x dans une boîte. Comment? Je mets le valeur, je veux dire, il y a une boîte qui appelle X et dans la boîte, il y a une valeur 10. Et si je rends une ligue qui est arrivée, la valeur 10 il paraît. Correct? Bon, je vais rendre une ligue là, je vais expliquer. Maintenant, si j'ai envie d'écrire ça comme ça, regardez. Regardez bien là, hein? Si je mets ça dans inverted comment? C'est là que je vais vous parler. Name. Ouais, ça, un enfant qui ne répond, il comprend, il paraît name. Allez, à ce moment, écrire ça. My name is. My name. Suivez, hein. My name is. Allez, my name is. Si vous rendez ça, qui vous paraît, diamant. My name is. Bien, bon. À ce moment, si vous avez envie de mettre mon nom sur ça, vous avez mettre un virgule. Je veux dire, continuer. Et vous écrivez name là. Correct? D'après les autres, qui vous parlez? My name is Rada. Qui fait? Parce que ça name là, il y a une variable. Il rentre dans la boîte là et il est dans la boîte là qui est là. Il y a Rada. C'est my name is Rada. Correct? Maintenant, si je écris ça, surname. Suivant. Surname. Et là, je écris ça, other name. Ok? Mon first name. Et si je suis désolé, je vais écrire other name. Other name veut dire l'autre nom. Other name. Right, is Anil. Allez, right. Allez, right. Qui est-ce que vous écrivez? My surname is. Qui vous pouvez écrire ici? Allez, dis-moi. Vous bien corriger. Surname. Ouais, vous pouvez écrire surname. Et vous bon, relis là, qui est-ce que vous écrivez? My surname is Radha. Maintenant, moi, tu as envie d'écrire en bas My other name is Anil. Qui va vous en faire là? Je vais mettre un autre print. Ouais. Bien. Bon. Allez, suivez tout là. Il vient dire ça, enfin, là, il vient écrire un autre print. Et moi, je vais mettre dans inverted comma un texte. My other name is. Et il est là qui m'a fait. Je vais mettre un virgule. Qui va vous mettre? Qui est dans sa boîte en anime là? Allez, Moran Lee, qui m'expecte gagner ce tir? Dis-moi qui pour gagner si Moran ça? My surname is Anil. Non, mais surname, si pareil là. My surname is Radha, my other name is Anil. Est-ce qu'il est d'accord, moi? Dès la ligne, vous parlez. Voilà. My surname is Radha, my other name is Anil. Parce qu'il y a deux boîtes qui appellent surname là, qui est là, il y a Radha. Dans la boîte qui est dans le nom là qui paraît Anil. Maintenant, si j'ai envie de rendre ça dans PyCharm, dans PyCharm, comment je peux rendre? Attendez, on est là, CTRL Z. Voilà, si je copie ce code là, moi dans mon software PyCharm, je vais l'équipe de travail en PyCharm. Voilà mon PSL là. Comment je vais le trouver là? Et comment je rends lui? Je right click, je rends. Et ce résultat apparaît là. My surname is Radha, my other name is Anil. Et c'est là qu'il fait print screen comme ça. Et envoyez-moi ce code-là dans Word, il paye ça pour moi. Ok, j'espère que les enfants vont comprendre. Et quand les gens se posent des questions, là, ça va être de vous lever là. Voilà, il paye ça là. Là, vous avez pour get ce code, vous avez pour ce réponse tout. Et s'il a envie de faire ça dans Online Interpreter, ça sur Online Interpreter. Bon, vous allez rentrer là. Allez, vous pensez, tout le monde peut rentrer là. Voilà, on va chercher le screen. Ok. Tout le monde peut rentrer. Correct là, ça peut rentrer.
André, et nous allons chercher notre écran là. Voilà, notre écran est fini chercher. Et voilà. Ok. Maintenant, comment ça trouver? Là, si moi j'ai envie d'écrire un autre affaire. Et là, moi j'ai print. C'est moi qui vous parle. P-R-I-N-T. Ok. Moi écrire. Et là, hein? Welcome. Welcome. Voilà. On met virgule. Non, welcome. Allez, welcome, welcome. Mister. On met virgule. On met surname. Surname. On met virgule. Et on met un espace. On va pas faire créer un espace là. Pour donner un espace. Other name. Allez, dis-moi qui peut écrire. Qui peut parler. Welcome, Mr. Radanil. Ouais, pareil. Allez. Nous allons écouter comment ça vous paraît, si vous voulez ça. Je veux dire, Jimon là, ce nom appelle Rada, surname Rada, Anil. Ce surname Rada, surname Anil. Il peut être welcome. Ça, il y a un texte qui pourrait se parler. Welcome. Et là, il met un virgule. Mr. Rada, Anil, to my class. Allez, nous rendons. Voilà, on a des épées rentrées. Les autres rentrées là. Quand là, allez, nous rendons. Nous guettons qui peut arriver là. Hein. Allez, Randy. Voilà, my surname is Rada, my other name is Anil. Welcome Mr. Rada Anil to my class. Vous trouvez là? Je ne comprends pas là. Maintenant, je pourrais prendre une autre affaire. Correct? Là, nous pourrons prendre une autre affaire. Correct? Le get input. De place, je vais suivre. Nous vous servir une autre commande appelée input. Correct? Dans votre livre, il est expliqué. Print, je ne finis pas. Input. Voilà, on va expliquer ça comment. Là. Input qui diffère. Input, il est calé côté droite. Il y a une réponse là dans la boîte. Là. Name, il y a une boîte. Input veut dire te typer. Ok, ce qui te typer pour rentrer dans la boîte. Là. Mais ça, c'est une boîte. Ça. Correct. Si moi dis name equal to input. Mais ce qui ne peut typer, il peut rentrer dans la boîte. Là. Allez, regarde. Quand nous vous servir ça, il est bien là. Je ne vais pas vous mettre ce name là, Rada. Ok, moi vous mettre input. Qui fait moi vous mettre ça input là, moi ouvrir bracket, moi dire enter your surname. Ok, enter your surname. Et surname là quand il rentre dans sa boîte qui appelle surname là. Bon ça moi delete lui. Alright, ça moi delete. Allez, ça moi delete. D'après autres qui vous paraît. Allez, dis-moi. Allez, vous pouvez rendre ça là. Dis-moi qui vous paraît. Allez, nous demandons aux élèves. Question ici, nous voulons que ça soit en ligne. Et nous n'allons pas rentrer là. Tiens, ces élèves là, moi tout ça, mais rentrer. Il n'y a pas besoin d'un problème internet. Allez, nous posons une question. Badou. Allez, dis-moi. Si vous rendez ça code là, qui vous paraît. Allez, Badou. Go, Iram. Allez, vite, 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 vite. Oui. Qui vous paraît là? Qui peut arriver, les mauvais ça? Non, si vous paraît, il vous dit à moi, tenez comme tout à l'heure qui vous dit, input, vous pouvez expliquer, c'est l'équipe qui ne connaît pas input. Let us get command input, un message pour paraît, ce qui est écrit là, regarde là. C'est un message qui est dans input box, ça vous paraît. Il vous dit enter et name. Et let us type, il vous rentre dans sa boîte qui appelle name là. Voilà, enter your name. Input, enter your name. Il vous dit vous type une affaire, il vous paraît comme ça, enter your name, regarde là. Input enter your name, tu devais enter et name. Tu as tout typé, il pour rentrer dans sa boîte là. Correct? Maintenant, on va rendre sa code là pour les élèves qui pas trop comprendre. Doucement, doucement avec l'exemple. Je vais dire input, input enter your name. Je vais dire ça pour parler. Voilà, enter your name. Tu m'en as pour écrire ce nom. Allez, Bahadou pour écrire ce nom. Et là, hein? Allez, nous mettons Bahadou ce nom. Bahadou. Bahadou. Hein, il va mettre petit Bahadou. Correct. Allez, si je pèse Enter, veut dire Bahadou, il met ce nom, il rentre dans sa boîte qui appelle surname. Là. Après, comme il est là, qui vous print. Dis-moi qui vous paraît dans l'autre ligne, je pèse Enter, qui vous arrive. Il vous écrit Your surname is Kitty. Your surname. Bahadou. Ouais, bien bon. Hein, il va nous arrêter. Il y a un erreur là. Il y a un coup de côté erreur là.
Rurami, enter your surname, Zon Tan. Ouais, your surname is Bahadur. Vous avez trouvé là? Vous avez trouvé? Ok? Allez, maintenant, je vais vous demander d'un autre affaire. Je vais vous mettre Ozanim là. Ozanim. Je vais mettre égal à l'Iran. Ok? Égal. Je vais dire input. Qui m'a vous dire? Input de. Input là, dans le bracket qui m'a vous ça. C'est la case à moi? Enter qui ça fait? Hein? Enter your Ozanim. Très bien. Enter your Ozanim. Correct? Allez, nous dire lui. Et l'un de vous rend ça. Je mets Bahadur. Ok, Bahadur. Correct. Je vais dire enter your other name. Amen. Et mon malik. Allez. Bon, computer là, il donne moi 10. Qu'est-ce que ça? Il peut faire une erreur comme lui. Il peut donner moi 10. Amen. Il ne peut pas donner moi une erreur. Ok, qui est réel là? Nous dit un coup. Nous dit un coup. Le 3 jeunes là, il y a 3 surnames. Il y a 3 surnames. Non, il y a 4 surnames, même là. Attends, un coup. Ouais, il y a un réel là, vous êtes corrosé. Ok, print. Ah. Pas trouvé rien là. Monsieur pour Avanim qui commande une lettre code print. Réellement code Avanim, code Sanim là pour print. Pénètre commande qui Avanim pareil. Ah ouais. Il est là, tu es capable de déjà la ligne là. Attends, avant, il y a ça avant. Il y a des signes ça. Le code ça avant, il y a des signes faits. Ctrl X, il y a ça. Le delete ça. Nous run ça. Ok, il peut dire nous enter Sanim. Jean. Fada. Ok. Voilà. Et your surname is Radar. Ça l'est mort aussi. Maintenant, si je copie paste ça en bas. Attendez. Je copie paste ça en bas. C'est un coup. Là. La place de surname, je vais dire Ozanim. Correct. Input your Ozanim. Et là il faut output Ozanim. Au moins mon mal écrit Ozanim. Si quelqu'un peut bien écrit Ozanim. Allez, nous rendons ça. Il y a nous enter your surname. Appel Rada. Your surname is Rada. Enter your Ozanim. En ligne. Qui dit vous dire d'après toi? Your surname is Anil. Surname Rada, other name is. Ah, mon fait rire, mon fait rire. Toi, tu as raison là. Hein? Attends, comme tu l'avais fait un problème là. Il y a un rire, mon fait. Vous avez quoi? Your other name. Other name is. Voilà. Nous allons dire un coup. Voilà. Je vais dire un coup, c'est comme tu l'as. Ça avance. Hein? Your surname is Rada. Voilà, il y a other name is Anil. Voilà, il m'a assez. D'accord? Vous avez trouvé, il m'a assez. Allez, un dernier la ligne. Je vais créer un print là. Qui dit vous parler? Print, get ça bien. Hein? Je vais écrire welcome. Ok, je vais écrire welcome. Welcome, Mr. Voilà, virgule. Ça n'est quand même plus. Non? Plus, non, mais virgule. Surname, qui nous met surname, hein? Surname, welcome, nous rendons un coup. Nous mettons Radar, nous mettons Anil, et nous mettons welcome Radar. Si vous avez envie d'y aller, welcome Mr. Radar Anil. Vous pouvez remettre la virgule là, vous pouvez mettre other, other name. C'est un coup. Voilà, mon rire ami, Radar, une minute. Radar, ah, un erreur, rerunny, radar, other name, Anil, après l'India, welcome, Mr. Radar Anil,
Ah bon. Correct là, ça fait suivi là. Question pour moi. Quel code là? Excellent. Oui, causé. Causé, causé. Maintenant, on va copier ça code là. On va faire voir là. Ciao. Là, je vais un code là-bas que moi, différent. Voilà. Et là, on va rendre comme ça. Bon. Il y en a rien là-dedans, il ne veut pas arrêter. Qui est rien là? Ouais. Attends, mais mal. Mais par exemple, on va mettre il y en a rien. Oh, Denis. Sani. Oh, Denis. C'est là, voilà. Allez, là, nous avons mis le bébé. Voilà, il paraît comme ça. Radar. Welcome. Anil. Et les diamants, voilà. Vous trouvez là? Et ça, qui se faisait faire screenshot comme ça, print screen, je faisais envoyer moi dans cette coding comme ça. Et moi, mon cas checker ce code, mon cas checker ce résultat. Allez, correct depuis là? Allez, maintenant, nous avons un coup. Vous allez qui veut suivre. Et vous allez avoir une difficulté là. Si vous avez une 40. Hein. Yes. Ça que c'est là, on va voir côté qui c'est là. Il peut dans ce nom. Tu es Gopo là. Et Gopo est dans non, lui. Qui est levé sous aussi là? Vous avez qui est levé sous aussi là? On trouve un zélé marqué là. 24 encore. Bahadou, Gopal. Gopal est rentré là. C'est un sous aussi là. Il y a un zélé marqué là, non? Vaccin, Ouya, Thor, Amessor. Allez, Ryan. Maintenant, je vais vous expliquer un affaire intéressant. Allez. Maintenant, nous allons créer un programme pour calculer l'area avec square. Correct là? Allez, tu veux suivre? Allez, comment nous pouvons faire ça? Nous allons calculer l'area avec square. Je délite tout ça là, hein? Nous allons écrire nos codes là. Allez, nous délite tout ça là. J'espère que nous allons suivre. Allez, un affaire pour paraître, un title pour paraître à l'écran. Qui nous servit print? Allez, suivez ça bien. Qui nous vous dit? Programme. Programme. To calculate. Calculate area of square. Bon, pour calculate area of square, qui te faisait un tête à computer là? Dis-moi, les enfants. Allez. Area. Non. Length fait width. Ouais, non, mais square, length width, pareil. Le vous dire computer là, enter length. Comment vous dire computer là, enter length? Nous allons créer une boîte. Voilà ça, length, L-I-N-G-T-H. Length, c'est une boîte. C'est moi, je vous dis, enter value dans la boîte là. Comment vous dire enter value? Input. Correct? Input. Et qui vous dire? Enter. Enter quoi? Je vous dis là, enter length. Length of the square. Enter length of the square. Correct? Allez, on va ça. Qui peut arriver d'après l'autre? Dis-moi, écoute. Alors, je suis là de la même. Alors, je suis là, je vais suivre là. Allez, Toshini. Non. Oui. Allez, dis-moi si vous rendez ce programme là, qui peut arriver là? Il faut mettre length. Oui, il faut dire input length. Allez, vous rendez là. Qu'est-ce que ça print là? Print là, il faut paraître dans l'écran. Et celle-là, il faut dire enter length. Et toi, il faut vous type length, tu vous donner une valeur. Il faut rentrer dans sa boîte qui appelle length là. Correct? Une boîte ça, il rentre là-bas, une variable ça. Voilà, c'est là. Programme to calculate area of length. Ça, c'est title ça.
et à cause ça t'en est capri pour y user la trouver. Après t'as déjà dit enter length, tu as pour mettre un valeur, mais toi tu mets un valeur 4 là. Et ça 4 là que tu vois, tu vois dans sa boîte qui appelle length là. Mais c'est mal, tu vas pas trouver non rien. Tu vas pas trouver non rien. Parce que tu as besoin de créer une autre boîte. Une autre boîte qui appelle area. Area, ce valeur, comment tu peux dire? Area, ce valeur, il pour length times length. Ok, tu connais length times length fait area. Length times, comment écrire dans le programme? Multiplication. Voilà, length times length. Alright? Maintenant, il fait ça. Mais tu ne trouves pas rien. Tu as besoin d'output sa area là, ce qui est dans la boîte là. Mais pour ton output, tu servis print. Correct? Et là, qui te peut écrire area is equal to. Area is equal to. Et qui valeur est là dans sa boîte qui appelle area là. Là, tu peux servir virgule. Tu peux servir area. Area veut dire ce valeur qui est là. Allez, nous run ça, nous guettons qu'il est bien. Voilà, il y a deux programmes qui calculent area of a square, il peut dire enter length of the square, mettons length d. Il peut dire nous area is equal to combien d'après toi? Allez, dis-moi, qui peut dire? Area is equal to combien? Faux. Faux. Mon pays enter là. Il dit, hein? Il va le faire? Ah, il y a une area là. Qui est area là? Bon, explique-je. Sa valeur qui te peut input là, il y a une string, il y a un texte. Tu sais qu'on veut être integer. Et pour convertir l'integer, tu servis une commande avec int, int. Voilà, ça m'a pas expliqué déjà. Tu servis int. Int veut dire, il peut faire sa commande là, ça c'est qui te peut tuer là, il peut faire livrer un DPN text, il peut faire livrer un integer. Maintenant, le rerunner, mais toi tu mets D, Z, K. Voilà. Bon, int, comment écrire? Écrire int, ouvert bracket et ferme bracket. Voilà. INT ouvert bracket et là tu fermes ton bracket. Tout ce qui est là à l'intérieur, tu input, tu tiens un texte, tu peux convertir, tu fais un number, tu peux envoyer, tu peux save dans sa boîte qui appelle length. Et length times length, si length c'est D, D fois D fait 4, tu envoies dans une autre boîte qui appelle area. Et là tu peux tirer ce qui est dans la boîte là. Ça c'est un texte. Allez, question pour moi. Maintenant ça, je te fais print screen comme ça. Et là je peux envoyer dans ce coding comme ça. Bon, ben, c'est l'équipe qui peut code PyCharm ou bien VS Code pour lui facile. L'unique à l'heure de ce coding, là, il y a de la bonne PSL comme ça. Ça, je peux avoir moi pour me connaître, ça, c'est l'équipe qui peut travailler. Bon, c'est l'équipe qui peut programmer le PyCharm, ce qu'il y a pour faire, sa code là. Voilà, vous prenez sa code là, il y a de là. Vous avez un code. Vous copiez sa code là. Moi, le PyCharm. Vous run sa code là. Vous avez un code qui nous gagne. Voilà. Bon, là, nous devons corriger un désafi. Ça nous a corrigé. Voilà. C'était un run, comment nous run dans PyCharm? Voilà. Nous run. Il dit à nous, programme de calculer area of square parce qu'il tient print. Et là, il dit à nous, input, input de length, disons length 5. Qu'il peut écrire d'après eux? Il peut écrire area is equal to 20, 25. Voilà. Area is equal to 25. Là, je t'ai fait screenshot comme ça. Print screen. Après, je t'envoie moi une réponse. Dans là comme ça, ok. Je vais dans qui software je peux faire, mais pas nécessairement faire tous les dés, un seul software de café. Correct. Allez, maintenant je vais continuer à expliquer. Allez, qui est l'élève pour capable montrer moi comment vous calculez area of a rectangle last year. Allez, travail difficile, personne va vous confier ça. Allez, non, le corrige ça. Allez, vous mettez que chacun se tout là. Hein? Ne commencez par Polygadou. Allez, ne commencez par Bahadou, Goiram, chacun se trouve dire moi. Allez, ici qui m'a changé. Je vais print calculate area of qui ça fait moi. Rectangle. Rectangle. Ok, rectangle. Maintenant, input the length of the rectangle. Rectangle. Voilà. Copy. Je paye ça là. Correct. Maintenant, qui nous fait? Il y a une autre affaire qui nous oublie de faire. Nous payons input length là. À ce qui nous a déjà dit input. On copie ça. On paye ça en bas. Très bien. Il y a un élève qui nous dit ça. Nous avons déjà input width. W-I-D-T-H. Ok. Et ici, qui nous dit? Enter qui l'affaire? Width of the rectangle. Maintenant, formule. Vous avez corrigé formule. Qui nous vous changez là? Length times qui était? Length times width. Et area là nous gardons pareil.
Allez, maintenant nous rendons lit. Obama s'ouvre nous, c'est la note Obama l'accent. Vous avez tout ouvert nous, vous me connaissez. Note Obama. C'est là. Russie, vient Obama. Obama, tu dis féminin. Vous avez tout ouvert nous, vous me connaissez. Hein? Obama, tu dis. Allez, allez, allez. Maintenant, nous rendons le programme là. Correct. Programme to calculate area of rectangle. Qui peut dire nous enter? 8 lengths. Mettons lengths, nous mettons valeur 5 parce qu'il tape 5 pour quoi? Computer là qui peut dire nous, si vous pouvez enter, qui peut dire nous? Enter qui ça fait? 8. Ouais, vous pouvez enter. Hein? Ouais, il dit nous enter 8. Mettons 8, vous mettez 10. Qui computer là peut dire nous, Astia? Diamant. Il est égal à 50. Très très bien. Hein? Je peux te dire, il ne peut pas dire qui fait, il ne peut pas dire qui est réel. Il n'a pas besoin d'un erreur. Vous avez corrigé, nous rerunner un coup. Je vais mettre 5 et enter 8, mettons 10. Ah, il fait. Quand il est là, moi je fais un erreur. Alors il a, nous corrigé. Bon, qu'est-ce que ça 5 là? Il est trop collé avec ça. Avec 10 là, trop collé. Ce que mon cas va faire, mon quitte l'espace là. Voilà, mon quitte l'espace là. Ok, mon rerunner. Je vais mettre 5 et ça va mettre à 10, vous trouvez? Et le diamant est à 50. Allez, tous enfin comprendre ce programme là. Maintenant, on fait screenshot. Voilà, il est là, mon vin là, mon piste, mon code. Pour m'en aller trouver comment on peut faire ça. Et puis, comme là, avant, je vais comprendre, je vais aller trop vite. J'espère que je vais quand suivre, mais c'est moi, c'est moi pour poser question à des élèves. Je vais voir si je vais comprendre. Voilà. Allez là, ça va être avant de code comme ça. Maintenant, il y a l'autre bande élève capable de voir ce code là, PyCharm. Il copie le code là, comme ça, si il est, il vient là, il paye ce code là, voilà, et là, il run lui. Voilà, il run lui comme ça, correct? Et là, comme vite là, demande lui length, 8, non, length. Mettons, il met 5, et 8, il met 10, et là, il gagne 50. Tu en fais une correcte là? Vous avez compris? Ici aussi, il a fait ce screenshot, puis il s'attaque le screen là, et il y a en bas, et il paye ici là. Correct? Maintenant, nous vous prenons le programme maintenant, Stéphane, et vas-y, vous allez répondre là. Hein? Ok? Maintenant, nous vous prenons les enfants au point. Qui est arrivé? Zoom in déconnecté. Ok? Nous vous prenons les enfants au point. Ok? Moi, j'espère que la vidéo là, vous allez répéter. Ouais, tu arrives à un petit problème là, vous pensez. Nous allons récollecter. Allez, right. Ouais, vous êtes tous réconnectés. Maintenant, nous allons écrire un programme pour calculer le grade of a student. Vous allez là, c'est pas un passé ou bien un fail. Vous allez écouter comment nous pouvons faire ça. Programme to calculate. Programme to calculate. Calculate. Grade. G-R-E. Grade of a student. Bon, pour nous calculer grade of a student, qui nous veut dire, les enfants là, enter. Enter, qui s'en fait? Qui nous veut dire de nous? Un sixième ce chiffre. Ouais, ce point. Intermark of the student. Of the student. Ok? Bon, tout enfin comprendre. Inter. Je. Manique à grade, un grade board. Ah là là, raté. G-R-E. G-R-E. D-E grade. Programme to calculate the grade of a student. Input mark of the student. Student mark. Mettez comme ça. Inter student ce point. Inter student mark. Allez, variable, nous faisons sens. Et nous avons quand même de ici. Qui nous mettait dans ce place? Tiens-moi. English. Plutôt, nous mettons Marc même. Ils ont dit boîte là, appelle Marc. Correct? Boîte là, appelle Marc. Est-ce qu'ils sont d'accord? Non, pas d'accord. Allez, nous mettons Marc. Je n'ai pas besoin de l'amener avec les students. Allez, tiens-moi, nous quand même de Marc avec les students, soit Marc. Correct? Allez, allez. En bas, nous allons écrire print area. Nous pouvons écrire grade of a student. Ok, nous pouvons écrire grade, G-R-E-D-E. Grade of a student. Soit tu connais qui nous fait, tu as l'air de écrire. Là. Si je rends ça, qui peut arriver là? Allez. Bon, le manzélé peut suivre. Hein? Si je rends ça, qui peut arriver là, le programme? Ça n'a qu'à dire moi. Allez, vite. Il y a un taille au mort.
Allez, right, nous renie, voilà le guetté. Il écrit un programme to calculate the grade of a student. Il dit enter mark. Allez, mon médecin, là, il gagne 80 points. Il n'est pas fait non rien. Le programme n'a pas fait non rien. Il n'est pas dit que c'est le passé ou bien fait. Qui fait, il n'est pas fait non rien. C'est la carte diamant. Je vais prendre commande. Bien beau, bien beau. Il va falloir dire de ne pas écrire ce commande. Ok? Maintenant, nous allons aller dans W Free School. Comment écrire commande? Right. Ça, c'est place que j'ai levé dans l'île. Après ça, W Free School. Il y a un extra bon site. Ça, moi, mon professeur, ça. Ok, je vais suivre dans ce site-là même. Un extra bon site. Et là, nous allons regarder. Voilà comment en prendre là-bas. Et Python. Ok. Voilà. Et là-dedans, on peut aller en prendre, faire en prendre une affaire qui s'appelle If Then Else. C'est là. Le Python. Le trouver dans W Free School. Nous allons appeler Python. Et comment écrire ça? Nous allons dire If. Voilà, nous copions ça là. Correct? Nous copions ce code là et nous envoyons ça dans Z-Coding. Code Z-Coding était le coding là. Allez, qui nous dit if? Qui nous écrit if mark? Si les enfants là sont au point, pli grand qui combien? Disons pli grand qui 40, ou ça 39? Pli grand qui 39. Les là, il y a des points. C'est même ça colonne. Il vous print. Qui est pour print? Si le plus grand qui est 39, qui est pour print? Passe. Ok? Maintenant, nous run le programme là. Nous mettons les élèves là sur point. Vous faites trop vite là? Nous donnons les élèves là 80 points. D'après les autres, qui est pour écrire? Allez là, 80 points. Qui est pour écrire? Passe. Passe. Allez, maintenant, nous pouvons écrire si les enfants n'ont pas passé. Qui peut arriver? Il vous a fait le. Là, il passe là. Tous les élèves trouvent une passe. Maintenant, else. Else, qui veut dire? Et dire s'il n'est pas passé, qui peut arriver, nous guettons tout comment écrire ça. S'il n'est pas passé, les enfants là qui n'arrivent, ils fail. Et comment écrire fail, nous guettons ça là. Et libre mot de droit, il faut écrire else. Voilà, ça n'est pas else, soit else. Allez là. Voilà, else. Comme ça, nous écrire else. Right? Voilà, je vais copier ce code là. Là. Et là, je vais venir dans mon programming. Online. Voilà, là. Else, d'après eux, qui dit pour écrire? Qui veut dire else? Il veut dire si il n'y a pas plus que 39 points, qui peut arriver d'après eux? Fail. Fail. Allez, nous run programme là, là. Correct? Allez, maintenant, nous avons un coup de question pour répondre moi. Vous devez les questions pour guider si vous avez suivi suivre classe là. Correct? Maintenant, vous devez 24 ou la même? Allez, mon run programme là. Libérez-moi un terme. Donne-moi un point, un élève capable de gagner. Dis-moi, Bardou, qui pourrait être capable de gagner dans ce test computer. Zéro. Ça fait deux vidéos. 50. Allez, Bardou, allez, 24 et demi 50 points. Allez, nous donne Bardou 50 points. Allez, d'après ce Bardou qui va arriver, passez ou ça fait nous? Non, passé. Passé, c'est la sens, bon. Mais il va déjà passer. Qui fait pas déjà passer? Nous revenons un peu. Nous donnons 50 points. Et nous présentons. Il est passé. Bardou passé. Maintenant, Bardou pour donner ça un point là, Gopol. Aussi, vous connaissez qui pourrait vous. Allez, Bardou donne Gopol un point. Je n'ai pas de Bardou ici. Allez, un Bardou répond. Allez, pas fait non. Un Bardou donne Gopol ce point. Combien ça peut donner de points? 100. Combien de points de bébé? Oui, comme ça, de compte à Gopol. 100. Comme ça, de compte à Gopol. Allez, d'une passée. Maintenant, nous donne un autre zélé point. Nous donne Baxen point. Combien de points nous donne Baxen? 100. 100. Non, allez, allez. Nous pas donne Baxen. Nous donne un autre zélé dans l'école. Ben, désolé, dans l'école là, continue. Nous donne 30 points. Allez, un autre zélé, ça, hein, dans l'école, ça n'est pas travail, petit là. Qui peut arriver après toi? Allez, donne 30 points. Comme tu là, qui peut dire? Phil. Hein? Il n'y a pas de travail qui n'est arrivé là. T'en aurais fait 30 points. Il fait, tu as trouvé? Comme tu as un travail. Correct? Maintenant, nous réponds à code là. Nous passons ça dans un autre software. Le PyCharm, si tu veux. Nous payons ici là. Qu'est-ce qui peut arriver là? Correct? Maintenant, il y a là. Allez, nous run, comment run? Il y a des façons run. Soit tu cliques le savoir là ici. Voilà. Il y a un test student mark.
Mettons que les gens ont 10 points. Ils ont fait. Vous trouvez? Et Moré Ronny. Et ici, Moré Ronny avec un point, 90 points. Et là, les diamants sont passés. Correct là? Allez, question pour moi? Maintenant, qui c'est les gens qui ont fait pour faire print screen? Et il y a envoyez-moi comme ça dans The Word, je fais les PDF, je t'envoie. Maintenant, là, nous allons écrire notre programme. Je ne comprends pas le programme là comment écrire là. C'est enter mark. Ok, mais c'est moi qui fais une integer, je vais mon vidéo. Si point plus grand que 39 est passé, else, mais elle n'est pas plus grand que 39, moins que 39, ou bien égal 39 est fait. Correct? Maintenant, je peux enter et number. Et il vous dire moi si number là est positif ou bien négatif. Comment vous pouvez écrire ça? Le programme, to calculate if the number, if a number is positive ou négative. Allez, comment vous pouvez faire ça? Que ça n'a qu'à dire moi. Enter quoi? Enter quoi? Number. Enter number. Bien bon. Vous allez me répondre. Enter number. Ouais, raté. Allez, ça ici, mon plus sens, ça qui m'a écrit. Number. Number, bien bon. Asté ici, if, qui m'a écrit? If, qu'est-ce que number. Number. Allez, qui m'a écrit? Plus grand qui, combien? Zéro. Plus grand qui, zéro, qui m'a écrit ici? False. Non, t'as la lourde. Positif, positif. Positif. Et s'il n'est pas positif, qui m'a écrit? Négatif. Allez, right, négatif. Ok, allez, allez, vous testez le programme là, là. Ok, allez. Maintenant, ça, Enzele, pour tester ça, nous donne la sens. Que ça n'a pas envie de répondre. Nous donne la sens à l'Akshita, Oria. Pour tester le programme là. L'Akshita, on va connaître s'il y a un problème micro. Tu peux participer à vos nouveaux messages. Non. Allez, capable d'y avoir un petit problème, mais nous prenons d'autres élèves, nous demandons Ramessor. Allez, Ramessor, t'es là même? Oui. Allez, vous pouvez run programme là, correct? Enter et number. Allez, demande chiffre? D. D. Qui dit vous dire ta computer là? Positive. Positive, ok? Maintenant, vous rerun programme là, demande l'autre valeur. Retirer 3. Retirer 3. Computer là, qu'est-ce que vous dire? Négatif. Bien bon. Attends, mais comment on va dire rerun, hein? Parce que je vais faire une erreur là. On va retirer 3. Voilà, il est à négatif. Correct? Bon, mon programme est recode. Moi, je fais ça bien. Et tous les élèves trouver comment aller faire positif ou bien négatif, etc. D'accord? Question pour moi? Je comprends comment input est number, les capables d'être les positifs ou bien négatifs, etc. Vous devez comprendre comment nous devons programmer, nous devons écrire votre code. Maintenant, nous allons dans le Free School. Voilà. Nous pouvons enter. T'as une télévision? Hey, je peux expliquer de me comprendre? Nous pouvons enter two numbers, number one et number two. Correct? Et nous pouvons dire nous si number one is greater than number two ou bien number two is greater than number one. Correct? Allez, right. Maintenant, nous venons là. Correct, je vais suivre. Hein. Maintenant, nous venons là. Nous pouvons être les programmes. Les programmes to find the largest of two numbers. Allez, les programmes to calculate the largest of two numbers. Programme to calculate the largest of two numbers. Ok, two numbers. Comme il est là pour finir, dire nous, est-ce qu'il y a laquelle plus grand, number one ou bien number two? Numbers. Allez, suivez ça bien là. Vous regardez que ça se tourne là. Je vous pose question pour toi de l'échat. Ok? Input number one. Allez, de l'échat, de la même. Oui, allez, râle. Vous avez trouvé là. Là, qui peut arriver, nous pouvons input number one. C'est bon là? Input number one. Number one gagne une valeur. À ce qui est là, vous avez créé la deuxième ligne. Vous copiez ça en bas, mais on va faire un changement. Dis-moi quel changement vous pouvez faire. Input qui number? Nous pouvons input two numbers, nous pouvons dire laquelle plus grand. Allez, première ligne, input number one. Deuxième ligne, qui nous peut input? Number two.
Ok, number 2 pou gen vale yon. Aste ya, kouman nou pou cheke? Si number 1, voilà, li pli grand ki number 2. Number 2. Si number 1 pli grand ki number 2, ki li pou ekri yon? Largest is number 1. Voilà. Largest, ok, is number 1. Et si number 1 pa largest, lakel pou largest? Number 2. Voilà, nous vous dites 5. Number 2 will be largest. Allez, maintenant, si on a pour répondre de l'échappateur, le programme ni, c'est moi qui va arriver si mon ventre programme là. De l'échappateur ou la même? Non, il n'est pas là. Allez, l'autre poteur. Mukesh Shada. Allez, nous rendons Lila. Jama qui est arrivé. Non. Allez, ride. Jawahir. Testez le programme là pour moi. Enter two numbers. Jawahir aussi pas là. Je n'ai pas répondu, il y a un problème de connexion. C'est là, Gopal. Je n'ai pas Jawahir. Allez, nous donne une question là, deux enfants. Ok, Jawahir, il y a un petit problème de connexion. Il reste 2 minutes là, mon pote, avant de place terminée. Non, non, d'après moi, il faut déconnecter, après, nous pouvons reconnecter. Bon, nous posons cette question là. Baudou, il fait rien en temps, Baudou. Là. Il y a un comprend qui arrive, Baudou. Allez, maintenant, nous posons cette question là. Toshini. Allez, demande Valéa pour le number 1. Quoi? Allez, right. Il y a la computer là qui vous dit. Enter and let number. Qui vous dit? La computer qui vous dit. Enter number 2. Bien, bon. Attends, mon frère. Allez, number 1, zone numéro 3. Il y a enter number 2. Donnez un autre Valéa. Qui Valéa te vous donne? N. N. Et résultat qui vous dit? Largest is qui dit? Largest is number 1. Bien bon. Voilà. Largest is number 1. Correct? Allez, Toshini, tu peux rerunner pour moi, ça me fera, tu peux demander des chiffres, mais les budgets largest number 2 seulement. Correct? Allez, tu serais c'est lui. Oui. Allez, demande chiffre. B. D. Right? 5. Ouais, c'est le largest number 2. Bien bon. Correct, tu comprends lui comment écrire ça là. Ok, j'espère que tu peux comprendre mon programming là et tu n'as pas de difficulté de trouver comment nous écrire le code. Nous écrire ça. Maintenant, nous pouvons introduire une autre affaire. Si jamais dans une minute, les finis programmes là, nous pourrions rentrer là. Il n'est pas supposé finir dans le programme. Nous sommes supposés finir à 4h45. Il y a encore le temps là. Correct. Allez, c'est fini, nous pourrions rentrer là. Hein? Maintenant, à ce terme, vous pouvez expliquer de loop. Qui vous parle expliquer de loop? Ce qui veut dire loop, veut dire une répétition. Vous pouvez expliquer de loop. Et vous pouvez expliquer de un for loop à ce terme. Voilà. Ok, qui veut dire for loop? Vous pouvez expliquer de ça. Là. Voilà, vous pouvez expliquer de loop et vous pouvez expliquer de for loop. Une minute, je vais regarder avec code là pour qu'elle se passe. Une minute dans les notes, une minute dans les notes, vous pouvez quitter les notes sur un service pour qu'elle se passe pour loop. Voilà, loop. Voilà. Maintenant, ce qui nous explique, c'est loop. Il y a trois qualités loop dans notre syllabus. Voilà, je finis par expliquer ifs and else. Là, je vais expliquer loop. Il y a trois qualités loop dans ce syllabus. Il y a while loop, il y a for loop, avec il y a encore un appel repeat loop. Ok, j'espère que je vais expliquer. Ok, while loop avec for loop. Maintenant, un for loop qui veut dire répétition. Comment on écrit un for loop? Voilà, je vous donne ce commande. On écrit for x, mettons une variable x, in the range des 10. Veut dire, il pourra output une valeur range depuis 0 à 10.
Bon, nous pouvons faire ça dans nos online. Voilà. Nous pouvons écrire un code là. Voilà, nous pouvons faire ça. Nous delete ce code là. Allez, right. Maintenant, ce que nous pouvons écrire, nous pouvons écrire faux. Attendez, là-haut. Nous pouvons écrire faux. I égal. Qu'est-ce que c'est là? Ouais, il écrit faux. X in range. Ok, in range. Il y a braqué faux. X in range. Un minute. Bon, je vais expliquer qui veut dire loop là, tiens. Voilà, faux I. Soit faux X. In range. In range, dans le paquet, disons, nous mettons 3. Voilà. Et nous mettons colonne là, et nous mettons ça print. Print. Voilà, nous mettons X. Donc, qui nous fait si nous rendons ça? Je vais mettre colonne. Ouais, mon pensée là, je vais pas rentrer dans les autres comptes. Pourquoi on va mettre colonne à cause de moi aussi? On va y checker. Non, colonne à mon métier là. Continue. Voilà. Si moi j'écris hello, je peux écrire hello une fois. Suivant. Si moi j'écris print deux fois hello, combien de fois hello je peux écrire? Eh bien, deux fois. Hein? Qu'est-ce qui arrive là? Je dis rien. Hello deux fois. Correct? Si vous prenez hello trois fois comme ça, combien de fois allez-vous parler? Trois fois. Mais si vous avez envie d'écrire hello 50 fois, vous ne pouvez pas le copier-paste hello 50 fois comme ça, vous êtes fatigué. Est-ce qu'il y a une autre façon de faire ça? Oui. Comment est-ce qu'on peut faire ça de toute façon? On écrit une répétition. Une répétition, on écrit dans un loop. Comment écrire une répétition? On écrit faux. Faux. On met une variable. Mettons x. On écrit in range, get bien, on écrit in range. Ok, et dans le bracket, on met de range, ça va aller un maximum comme ça. Oui, allô, allô. Ça va, bonjour, moi-même, oui. Oui, oui. Et ça va, ouais. Tiens, ouais. Cool les fans, ouais, ouais. Qu'en fait, ta gueule? Et avant même ça, vous pouvez être dans la classe là, en ligne avant de lire. Et avant même ça, vous pouvez revenir vers toi. Ok. Et 10 roupies, mais 2. Voilà. Allez, merci. Allez, merci. Demain nous guettons ça, c'est pas demain. Ouais, mon esprit, toi. Allez, avant même ça. Merci. Allez, bye. Au revoir. Allez, maintenant, on va enlever une colonne, la côte colonne. Là. Ouais, voilà. Allez, maintenant, j'ai trouvé là, les mots, il fait un loop là. C'est moi, Python dit identification est important, ben, l'espace est important. Et là, il peut écrire hello combien de fois? 10 fois. Correct? Il peut écrire hello 10 fois. Je veux dire, les mots, fait un loop. Comment écrire un loop? For. Et une variable, si on écrit 10, il peut faire 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois. Ok? Maintenant, si vous écrivez x equal to, get bien. X equal to. Qui vous pouvez écrire? X equal to combien de fois? 10 fois. Maintenant, c'est la carte à moi là, si vous mettez une virgule et vous mettez x, qui peut arriver? C'est la carte à moi. Ça fait sympa beaucoup. Hein? Allez. Vous voyez qui c'est l'épée comme ça? Personne ne va vous connaître. Donc, x est égal à 10, 10 coups? Non. Je vais mettre x est égal à x, 10 coups? Non. Regarde là. Si vous tirez ça x là, là, x là, ça va aller à l'épée. Regarde là. Si vous mettez ça là, il va écrire x, 10 coups là, comme ça. Correct? Allez, vous donnez un autre hit. Allez, vous donnez un autre hit. Si vous mettez x comme ça là, qu'est-ce qui vous paraît? Correct. Maintenant, c'est la case. Moi, qui, si vous écrivez ça comme ça, qui va arriver là?
Je vais mettre x égal 0, x égal n, c'est égal t. Je pense que les élèves comprennent. Allez, nous essayons ça. Qui le voit arriver? Qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi les élèves déjà fini de répondre? Il veut écrire x. Il veut écrire x égale 0, x égale n, x égale d. Très très bien. Et combien fois? 0 à 9 fois. Ok? Maintenant, écoute-moi bien. Si je mets ça plus n, là, regarde là. C'est un cas de moi qui veut écrire. X égale 0 plus n. C'est la caractère. X est égal à n, x est égal à d, il fait ce qu'il dit à 10. Ouais. Ça, c'est là, il me répondait plus bien. Il veut que x est égal à n à 10. Parce que si tu commences par 0, 0 plus n, devine n. Il y a aller comme ça. Correct? Vous comprenez? Maintenant, là, vous poussez en ça, là, c'est la caractère qui les vous fait là. N jusqu'à 5. N jusqu'à 5. Bien bon. Correct? Voilà. C'est une grammaire qui est arrivée là. N jusqu'à 5. Bon, ça, on appelle ça un for loop. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Un for loop. Mais il y a tout ce qui est là à l'intérieur, il vous répète ça 5 fois. Ici, qui a une voix comme là, il y a un texte et ça n'a pas parlé là. Correct? Bon, on finit explique for loop. D'après ce syllabus. Voilà, on explique ce for loop. Comment faire ça? Moi, je fais ça pratique. On explique ça. Maintenant, tu as un autre loop pour faire, si je me reste un dernier, un while loop pour faire de là, si la base est complétée. Bon, devoir. Sa activité là, je vais faire ce pratique avant et moi. Je vais attendre là, tous les élèves. Ça, ce pratique, je vais faire avant et moi. Ça va une réponse là, nous vous corriger pour la prochaine classe. Je vais là, nous vous corriger pour la prochaine classe. Ok? Voilà. Et la plupart pratiques, je vais faire avant et moi. On arrive presque à la fin de vos classes. Maintenant, avant d'aller, mais comment tu peux inviter nous autres la voix un peu pour connaître que c'est un petit présent dans la classe. Alors, Shirada, présent ou absent? Absent. Absent. Badou. Présent. Il y a un autre Badou. Par contre, il n'y a pas de répondre. Allez, Goiram. Non, monsieur. Goiram, tu as un peu diffé aujourd'hui là. Pas trop comprendre rien. Je comprends tout, moi. Allez, vous pause. Vous stop.